Bonjour et bienvenue sur Sims 4 sur mon ordinateur qui bug. Bon, c'est la série de. Bon, c'est même pas la série, je sais même pas si je vais faire plus d'un épisode. Ça fera partie de ce que je vais appeler les épisodes en attendant. Donc, on va commencer avec les Sims 4, mais je ferai sûrement pas que ça parce que. Voilà, c'est le genre de jeu que tu joues 2 heures et après tu t'ennuies. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est parce que. Donc, j'ai déjà commencé ma famille et tout. Je vais vous présenter le topo. Donc attendez, un petit truc que je vais faire avant. D'ailleurs, je vais sauvegarder sous. Xanter série. Voilà. Je fais ça parce que en fait, j'ai pas activé le vieillissement et j'aime pas quand mes gens vieillissent. Donc ça sauvegarde. Donc si je suis pas une pute, je vais vous couper ça au montage. Donc au moment où j'ai coupé, ça a enlevé. Et ce que je vais faire, option du jeu, gameplay, tu vieillis. Oui, tout le monde vieillit. Mais on va faire une longue espérance de vie parce que j'aime bien quand les gens vivent longtemps. Blablabla, autonomie. Voilà. Donc c'est parti, je vous présente la famille. Alors nous avons Trevor, le gentil monsieur, le bon papa, Roy, l'enfoiré, le méchant, la fille que se tape Trevor, qui n'est pas la mère de elle, mais qui est elle et la fille de lui, et elle qui est la soeur de elle. Voilà, vous avez tout le topo. Donc pour faire la chose intéressante et pas ennuyeuse, on va se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif? Ah je sais, vu que j'ai activé l'espérance de vie, c'est le moment de faire des choses de saloperie. Et puis vu que tout le monde va travailler, de toute façon il nous reste plus que lui. Alors je vous propose de faire le bourreau des cœurs. Nous allons. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, le directeur. Nanana, nanana, nanana. On va l'ignorer. Voilà. C'est bien la fille. Non, on va voir une personne qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de personnes que tu n'aimes pas, mon ami. Ah oui, conjoint de David Sanchez. David Sanchez. Où tu es? Toi, tu es un ennemi, toi. Et toi, tu es sa femme. Eh bien, je vous propose de faire un enfant à cette gentille femme. C'est parti. Ah, on est bien trouvé. Donc, tiens, je vais vous dire. Donc, j'avais proposé plusieurs jeux. On m'a dit les Sims 4 et GTA 3. GTA 3, ça risque de prendre du temps vu que j'ai eu un petit problème. On va taper la porte quand même. Parce qu'on n'est pas des brutes. Vu que j'ai eu des petits problèmes de récupération, on va dire. Donc pour l'instant, ce sera les Sims. J'ai essayé de faire du Sonic, mais bizarrement, ça marche moins bien que les Sims. Alors que c'est quand même. Quand je parle de Sonic, je parle de Sonic Adventure. Vous savez, ces vieux jeux. Ah, on me laisse rentrer. Bon, attendez, je vais faire quand même une connerie avant de. Ça c'est bien ça. Comme ça ils pourront pas se laver les mains. Ah je suis diabolique. Je peux pas mettre le feu. Il faut que j'essaye de mettre le feu. Pourquoi il est content? Ben oui parce qu'il casse. Vas-y casse plus vite. T'as des traits un peu à faire remonter. Alors, on va enlever ce compétence. Vite, il y a tout qui descend. Ah, ça, c'est le connard. Non, on va lui casser la gueule. Vas-y, on va l'intimider avant pour ce qu'on dit. Oui, tu es content, allez, va l'intimider. Allez, au boulot! Une fois que tu as bien menacé, tu lui casses sa gueule.
En plus, je suis content, vas-y. T'as sous la gueule. Allez, démonte-le, putain. Pauvre petit homme. Quoi? Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Quoi? Non, non, tu me déçois là. Continue. Allez, insiste. Allez, 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 te laisse pas faire, putain. Tu me fais honte. Tu sais quoi? Tu sais pas qui t'as à faire, mec. Tu as gagné cette fois, la prochaine fois. Allez, menace-le. Et maintenant, on va violer sa femme. Pour se venger. Et où sa femme? Allez, vas-y, vas-y, menace-le. Tu vois, il a peur. Vas-y, tu l'as mis en peur, tu l'as mis en peur. Là, il a peur, c'est le moment de lui. Et là, c'est le moment de lui envoyer dans la gueule, là. Allez, allez! Tu me déçois. Bon, très bien, il est temps de mettre les menaces à exécution. Voilà. Allez. Non mais je suis pas même en train de casser tes... Je m'en bats les couilles. Devant toi, mec. Ah, c'est bien. Bon, allez, on rentre à la maison. Ok, on est rentré. Ah tiens, il est promu, détective en chef. C'est très bien, Trevor. Je suis fier de toi. Qu'est-ce qui arrive à la gamine? Elle a son mari. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive, Trevor? Tiens, très joli costard, mon ami. Avoir 5 amis. Merde, il me faut des amis. Bah, je peux être ami avec tous ceux de la maison. Hein. Déjà, il y a la gamine, je suis bien avec elle. Bon, le frère, c'est pas trop cool parce qu'il est méchant et donc moi je suis bienveillant. Ouf, avec elle peut-être. Déjà la copine. Elle va bien la fille. Toujours le dos. Quand toi va te coucher. Tu m'as beaucoup déçu aujourd'hui. Je te croyais meilleur que ça. Toi retourne te coucher, je t'ai dit. Ah ouais, et tu peux pas l'éteindre, espèce de couillon. Là. Elle va dormir maintenant. Bon, qu'est-ce que tu peux faire, mon petit Trevor? Non mais laisse-la dormir, la con de toi. Putain. Va te faire des amis plutôt. T'as fini de dormir toi? Tu as besoin d'aller aux chiottes, putain. Bon, toi tu es en bonne santé, qu'est-ce qu'on peut te faire faire? Joueur, alors, tu peux pas. Et ce... Je sais. On va demander à un épouse de la fille. Je comptais pas le faire, mais bon, vu que j'ai activé le vieillissement et qu'on est en vidéo, ça va être une grande occasion. Lui, il dort. Par contre, tu peux enlever ta tenue de travail. Hein. Vas-y, on va lui mettre la tenue habillée. Qui est exactement... Ah non, je croyais que c'était la même. Bon, elle est où la copine? Hop, demandez un mariage. Allez, grouille-toi, putain. Oh, c'est mignon.
Oh. Et si je faisais en sorte que lui se tape la copine de son frère? Eh, c'est pas mal ça. Eh, trou du cul, t'as du boulot. Donc tu vas chier un coup. Tu vas manger un morceau. Genre du jus d'orange. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as faim? Ben, va manger un morceau aussi. Toi, tu es fatigué encore? Putain, c'est quoi ces enfants qui dorment? Oh non, on fait pas si vite le temps là, blablabla. Donc elle a rapporté la bouffe dehors, d'accord. Il n'y avait pas des chaises à l'intérieur. Et trou du cul, je t'ai pas dit de te réveiller. Oh putain, c'était vraiment le couple le plus rapide au monde. Ah oui, la chasse, bien sûr. Vas-y, on se met en tenue fête. Ah, j'en ai deux. Ben, on va prendre la mienne. T'es encore en train de dormir, toi? Putain. Il a à peine 22 h. C'est quoi ces enfants qui dorment à 22 h? Comment tu bois? Où va Trevor? Il va faire une sieste. D'accord. Allez, c'est le moment d'assurer, mec. Mais non, on s'en fout d'elle. Elle est encore adolescente. Tu peux pas la taper. Ah là là, il est temps de faire le saloperie. Complimenter. Bon, je me donne un défi quand même, c'est de pas contrôler la fille. Sinon, ce serait trop facile. Bon, attends, on va se mettre devant la chaîne romantique. Parce que voilà, faut mettre l'ambiance. On va pas l'insulter pour conversation profonde. C'est russe ou quoi? Faire connaissance. Mais non, reviens! Roy, tu me déçois. Ah, il sait déjà ce qu'il veut, le petit cochon. Oh, ça marche. On va rien foutre, pisse-toi dessus. Ah, ça se fait. La pute! Sérieusement, il se fait. Sérieux? Quelle pute! Bon, on peut directement passer aux choses sérieuses. Bon. Voilà comment voler la copine à son frère. Et lui dehors gentiment. On doit manger au lieu de mou laisser mourir de faim. Voilà, je vais laisser la vie aller son cours. On n'est pas loin plus tard. La gamine se lève tranquillement. Là, il y a l'autre cocu qui dort tranquillement avec sa fiancée. Lui qui fait des petits gâteaux. La fille qui se lève. Tu pourrais au moins te changer. C'est pas comme si c'était que 2 h du matin. Oh putain. Donc, le plus grand nombre de pictogrammes sera 3 que je choisirai au bout de 4. 1, 2, 3, 4. Ce sera la tenue 4. Bon, oui. Mmh. Ah, le problème. Bon,
elle, j'aime bien, elle aussi, en tout cas je suis attaché. Je t'entraîne plus. J'ai pas connu le personnage. Faut attendre qu'il y ait des bouffes. Ouais. Ça, j'ai pas connu. Mais j'aime ça, moi. C'est pas possible. J'ai pas connu. Tiens, on va gueuler sur, ça, sur la nièce. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ta gueule, gamine, je suis ton oncle, tu respectes. Tiens, d'ailleurs, voilà. Moi, je t'envoie le céréal. Par punition. Attends, attends, je te mets en colère contre ton oncle. Je vais pas la taper. Excusez avec élégance. Attends, c'est la gamine, elle me doit le respect. On va l'intimider, voilà. Non, qu'est-ce que tu fais avec le bol? Ah, oh. Je me dois le respect, je suis l'oncle quand même. Il est haut ce bâtard. Bon, bah, vu que tu es heureux maintenant, tu vas t'entraîner parce que la dernière fois tu m'as déçu. Ah, du coup, la gamine avait goût. Non, c'est bon, elle est heureuse. Bon, comment ils vont les cocus? Allez, debout, bande de feignasses. Debout, toi aussi. Ouais. Et toi, reste pas à poil, putain. Toi tu dors, c'est tant mieux pour toi, il est vendredi, ça veut dire que la gamine elle va aller à l'école. Ouais, toi c'est bien, tu t'entraînes, bon on va faire une accélération du temps. Bon, on va faire inviter quelques amis de la gamine. Tiens, les deux petits blonds, et on va inviter tous les enfants. Parfait, pour le plus grand plaisir de Roy, on va inviter tous les enfants. Après avoir joué aux jeux vidéo, bien sûr. Dors, 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 dors. Putain, c'est quoi ces gamins qui dorment à 5h du matin? Bon, mais je crois que je vais essayer de t'enlever jusqu'à 8h. Ah, mais non, il y a l'école après. Putain de gamin. Bon, Roy. Il est temps de faire quelque chose. Si, si la femelle ne vient pas à toi, va à la femelle. Tiens, je vais en profiter pour vous montrer un peu le quartier. Donc voici les ragazzoni, des gens très bien. Ici c'est là où on habite, les colocataires. Bon là tu as les gens de base, après tu as la petite maison avec les squatteurs dans leur taudis tout pourri là. Tiens d'ailleurs je vais leur rendre visite. Ils sont jamais chez eux, je me demande pourquoi. Là tu as deux femmes, là tu as des gens bien. Ici tu as les gens que j'aime pas. Enfin que lui il n'aime pas de toute façon. Là, tiens, une fille toute seule que je me sers à taper quand je m'ennuie. Bon, là, on va aller ici. Bon, les enfants, tonton est arrivé. J'espère qu'il y a des gens. Ah, ben c'est bon, il y a déjà nos potes. Je me demande pourquoi ils sont presque jamais chez eux. Bon, allez, on va essayer de taper la fille quand même. Oh, quoi, quoi, quoi? Oh, putain! Attends, on va lui sauver sa vie quand même parce que. Allez, agis, agis putain. Bon, il y a personne qui agit. Allez, agis putain. Bon. Toi, tu me dois la vie. Tu sais ça, hein, que tu me dois la vie. Donc il y en a une qui est partie en courant. D'accord, il y en a trois, ils sont partis en courant. Et quel héroïsme. Il y en a une qui va au chiottes. Bon. Mon grand. Parce que ça a l'air d'un endroit parfait pour élever un enfant, je vais leur en faire.
Elle est tendue. Mais il n'y a pas de raison d'être tendue, il y a juste eu un feu. Alors, à mon bras. Envoie un baiser, envoie un baiser. Oh, connard, tu gênes ma. Allez, pousse-toi, je m'assois avec les filles. Jeter des mots doux. Tenter un rapprochement. On va y arriver. Hein. C'est un rag. Quoi? Ah oui, elle. Oui, c'est vrai, j'avais aussi essayé avec elle. C'est sûr que ça doit pas lui faire plaisir. Ouais, bah, je suis désolé, mais bon, moi, les junkies. Bon, même si ça en est une aussi. T'inquiète, ça sera ton tour après. Non, désolé, elle est à moi. Ah, une chiale! Je l'ai fait chialer. Oh putain, il fait chier. Bon, attends, on va aller voir l'autre. Faire un joli baiser. Oh, désolé, une petite coupure. Bon, c'est très simple. Après avoir brisé le cœur de la fille, je me suis dit pour faire ça, on va inviter tout le monde à la maison des. À notre maison. Ouais, elle aurait pu se changer, la fille, là. Bon, parce que je suis pas poli, on voit que je suis dehors. Donc, j'en étais à où? Ah oui, technique de drago, osé. Ah oui, c'était très osé. Là. Non, dis pas ça, espèce de con. Demandez c'est pour quand? Bon, c'est pas très con, c'est pas très sexy. Bon, on fera quoi? Tant qu'on passe aux choses sérieuses, là. Mais non, la repousse pas, espèce d'idiot. Oh putain, t'es chiant toi. Allez, à vous ton assurance, comme ça on va faire ça vite. Allez, hop, 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 hop. Ouais, ça marche bien. Bon, allez. Allez, on part c'est où? Parfait, bon, maintenant niquez-vous. Non, non, oh, je veux être un homme libre. Tiens, comment il se débrouille à l'école? Tiens, travaille bien, toi. Toi aussi, travaille bien. Allez, c'est parti. Parfait. Hey, Oublou. Il y a l'autre là-bas qui se concentre sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur. Magnifique. Bon bref. Oh, on va pas rester là, on va pas rester là. Il est temps de répandre. La semence.
Parfait. Je sais pas comment on fait, comment on est sûr que ça marche pas. Allez, c'est parti! Au chantier! Ouais, elle va pas bien. Allez, il faut que tu te reposes un peu. Travaille normal. Comment on sait si elle a un enfant ou pas? Genre, elle a un enfant là? Bon, on va roser encore. Vous allez me laisser tranquille, oui. Bon, pendant que deux s'amusent, on va s'occuper un peu de la fille. Pêcheur, elle est triste. Elle a besoin d'un bain. On va la laver. Elle a besoin d'une douche. Allez, va te doucher. Attends, on va prendre une douche tonifiante. C'est bon, vous avez réussi tous les deux? Tu as grossi, toi? Comment c'est chez l'enceinte? Toi, tu sais chez l'enceinte? Ouais, donc il va falloir que tu pisses après. Ah, elle s'en va. Bon, j'espère qu'elle a un enfant, là. On va pisser peut-être. Non, le tonton d'abord. Je dois venir toi là-bas. Pas te laver. Putain. Bon, ça va, c'est de la famille. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu devais pas partir toi? Bon voilà, il a pissé. Lave les mains gentiment. Toi, faut que tu pisses aussi. Bon, on va faire le temps que tout le monde ait fait ses petits besoins. Bon voilà, je laissais un peu le temps couler. J'ai un autre métal à me dire. Un jour, avant que tu finisses la famille, vous mettez le papa, les adultes, 6, 9, les ados, 12 aussi. Bon, comment faire? Il finit, donc je propose en fait de. Attends, le matin. Non, non. De la tu. Tu crois que si je fais ça devant un Trevor, il va l'accepter? Allez, c'est parti. Mais quelle salope! Si elle accepte, c'est vraiment une salope. Salope! Mais quelle salope! Ouais, bah si au lieu de regarder le test ni le basket féminin, tu allais voir ce qui se passait. Sinon, ça va? Tiens, toi, il faut que tu te fasses des amis, toi. Tiens, d'ailleurs, tu peux démissionner de ton boulot pourri. Ce sera un bout de merde, en fait, je me rends compte. Et surtout, moi aussi. Ouais, à toi. Surtout pour un bout de merde. Fraps qui en fait qu'à sa gueule sur ce putain de PC. Fraps qui s'est arrêté tout seul. Bon, c'est pas grave. Bon, donc j'étais parti pour faire un jeu d'échecs entre la gamine et Roy. Et je sais pas qui va gagner. Et je sais pas si vous avez vu la scène où Roy s'est tapé la copine de Trevor. C'était très. Et oh, qui c'est qui a gagné? Tu me déçois, gamine. Tu me déçois beaucoup. Ah oui, j'ai un peu de temps, faudrait repartir au travail pour avoir un jeu. Ah, je dois acheter mon chien. Ah oui, toi, tu me fais un peu l'idée. J'ai démissionné à réparer tout ici. Je fais toi, je vois ta fille, tu fais une continuer. C'est bon, je vois bien. Je vois que c'est 6 heures, bon, c'est pas un problème, on va rester à manger. On va finir. Tiens-toi, va-moi ce jus d'orange, tiens, soif. Et ça va, frérot? Oh.
très famille, bienveillant. On va continuer, t'inquiète pas, puis on met les sous. Ils sont en vie, c'est pas grave. Reste à l'époque. T'es épicé? Bah, épicé, putain. Toi, tu te rends compte de rien. Elle est allée coucher dans le lit de l'autre. Mais... ils sont un peu demeurés, les Sims. Bon, bref. Roy, action. Ok, j'ai trouvé une idée indéfinie de Roy. Faire un enfant à la femme de son ennemi juré. C'est parti. Attends. On va y aller bien quand même. Bon, alors où aller? Voilà. Je la pète un peu d'ailleurs. Ah, là, voilà. Allez, mon tiroir, il se fait en Montre que t'as du charisme. Ouais, moi je me mouche pas dans la drague. Allez, vas-y. Prouve que tu en as. Oh putain, voilà le mari. Deux sous. Ah voilà, il est juste venu prendre un livre. Il s'en foutait que son ennemi juré était en train de marier sa femme. Je sais pas si c'est une bonne technique pour les. Putain, ça marche pas. Allez, drague, t'as mieux ça. Putain, très bon. Tu me fais quoi là? Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Pardon, ça va prendre le temps. Bon, j'avance dans mes techniques de drague. Pendant qu'il y a le pote du. Qui joue à l'ordinateur devant nous, donc on va rien à foutre. On va chuter des moudous. Ah, ça on peut faire, ça on peut faire. Se boutir contre. Ah, ça marche, ça marche. On peut manger des petits pas mignons. Pourtant, notre jeune femelle. C'est une très mauvaise idée, même si son mari en est un aussi. Une fois que je vous fais un bébé, je vais tabasser son mari. Allez, merci. Do it, plus vite. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Magnifique. Oui, c'est le moment. Un petit. Pour assurer le coup. Allez, c'est l'heure de. De faire ce qu'il faut faire. Par contre, l'autre, il peut partir. Ça va marcher, ça. Oui, ça marche. Il peut partir, l'autre. Je vais me taper la femme de ton boss, tu permets? Oh, je me demandais ce qu'il peut faire à l'intérieur. Est-ce que ça marchait? Comment je sais si je l'ai fait, si je l'ai mis grosse? Ouais, puis dans le doute. Regardez, elle a pris du poids, non? Je sais pas, elle a un plus gros cul que la dernière fois. Bon, bref, on va retrouver les autres.
Nous voici avec notre famille, et je suppose que c'est l'heure au cul de demander la fille en mariage. C'est tout? Alors, comment ça se passe? Tout le monde est là. On regarde rentrer du travail plus tôt que prévu. Remercier un invité d'être venu. Bon ben. Putain, c'est quoi ces tenues là? Faites un. Tu t'es vraiment. Voilà, tu es très mignonne. On va remercier le frère. On va remercier le frère. Oh putain. Oh putain, oh putain. Qu'est-ce que tu fais, gamine? Allez, viens t'amuser, viens dedans. Oui, voilà. Il y a du peuple. Je crois qu'il y a des gens qui sont un peu tapés la cruste, hein. Ok, il faut que je remercie les invités. Remercie d'être là, voilà, très bien. Dans un instant, la salope, elle va commander une boisson, c'est très bien. Faire en sorte que les invités regardent la cérémonie. Bon, il n'y a pas un enfant là pour elle? Bon, attends, on va inviter ses amis. Qu'est-ce que tu fais toi? Où est-ce que tu vas? Bien sûr, le seul qui va en haut. Il est fier de lui en plus. Ah oui, elle a des activités sociales à faire. Elle veut gagner 3 de l'argent. Elle veut gagner de l'argent. Putain de pute. Faire en sorte que les fiancés s'embrassent. Chérie? Chérie? Non, ça c'est pancake. Et où je te connais? Plus de choix à beurre. Plus de choix. Plus de choix. Putain. Quand tu vois, tiens, vite, vite, pique son verre. C'est quoi ce mariage pourri? Qu'est-ce que vous foutez derrière le bar? Magnifique. La fille a deux verres. Magnifique. Allez, le bisou. Bon, même la gamine elle a le droit de boire. Il m'a piqué son verre. Salope.
Ils sont toujours pas embrassés. Allez, embrassez-vous. Hé, qu'est-ce qui fait le bordel là? Hé, bisous. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah tiens, le dos. Oh putain, le mec il drague tout le monde tout seul. Mais quel beau gosse. Pourquoi il ne veut pas l'embrasser? Allez. Ah c'est bon, ils sont embrassés. Putain. Manger de la nourriture. Tiens, on va te faire une petite présentation amicale. Comment elle va la fille? Elle est en haut. Elle a sommeil, peu cher. Elle danse avec le gamin, c'est magnifique. Bon, on va faire une petite présentation. Oh, c'est le bordel. Oh, faut qu'il mange, faut que les gens mangent. Bon, Roy, mange. On des chips. C'est bien, ils font les bisous, ils font les bisous, les gens ils s'amusent. Plus vite! Oh, puis merde, on passe aux choses sérieuses. Bla bla bla, oui, bla bla. Allez, les choses sérieuses! Derrière le bar. C'est pas romantique. Qui tranche? On a parlé de gâteau. Merde. Oh, c'est quoi cette grosse là-bas? Roy, on a besoin de toi. Faut que tu ailles chasser cette femme. C'est bon, bon allez, tout le monde se casse maintenant. Oui, général, depuis. Nous irons, voilà, et Roy, un bon connard que tu es. Un bon connard que tu es. Hein? S'il te plaît, Roy, fais-moi plaisir. Salut! Bon, félicitations pour ton mariage, Monique. Ah oui, bien sûr! Allez, c'est parti! Salope! Toi, tu veux t'occuper de ta fille, tu te ferais mieux de t'occuper de ta femme. Et toi, voilà. Bon, ben sur ce, on va arrêter cet épisode. Vous me dites si vous en voulez un autre ou si on s'arrête là. Bon, pour la reprise des épisodes, dès que j'aurai un nouvel ordi, je vais essayer pour après Noël. Peut-être. Sur ce, à plus. Bon épisode. Et si vous avez une copine, faites attention à votre frère. Ciao.